Tu as buvé. Salut Matt, c'est Julien Fab dans Paris c'est la visite. Tontine, c'est un restaurant éphémère. C'est une date de début, une date de fin. Donc c'est pas un pop-up, mais on l'a vu vraiment comme une création de restaurant. Et c'est un restaurant qui a accueilli une programmation de chefs avec des types de bouffe hyper différentes à chaque fois. Et c'est hyper émotionnel parce qu'au final, c'est comme une famille qui s'est rencontrée avec le staff en cuisine, en salle, tous les chefs qui sont passés, une clientèle qu'on a fidélisé ici. On a juste l'impression que c'est la colonie qui s'arrête et chacun va retourner à sa vie après. Avoir une bonne condition physique pour exercer mon métier, c'est primordial. En ce moment, je suis amené à avoir deux métiers dans la même journée. La gestion de l'agence dans la journée et ensuite, j'enchaîne avec un service de restaurant. Ça demande énormément physiquement. Alors là, on arrive au Servant. C'est l'une des adresses, en fait, la toute première adresse ouverte par les sœurs Léva, un petit bistrot qui fait l'angle ici, rue Saint-Maur, rue Chemin Vert. C'est franchement un des plus beaux bistrots de Paris. Même au monde, il n'y a pas de lieu comme ça qui sert ce type de bouffe, ouvert toute la journée, 7 jours sur 7, juste à côté de Tontine, où du coup, j'ai mes petites habitudes pour venir prendre un café en journée avant d'aller bosser. Quoi. Bon flux. À demain, vas-y. Et sérieux, passez, franchement. Tu fais passer le message ? Même au DD ? Bisous. Ciao. Les sports que je pratique au quotidien ou que j'essaye de pratiquer toutes les semaines, déjà il y a le vélo, c'est mon moyen de locomotion, donc c'est au moins 30 minutes par jour. Ce que je recherche en fait quand je vais faire du sport en salle, c'est de te focus vraiment sur des choses précises quoi. Cardio, musculation, il y a plein d'exercices en fait qui sont vraiment focus sur un résultat que tu vas avoir et que t'as pas forcément quand tu vas courir dehors. Et là d'avoir un coach qui te suive, qui puisse te fixer des objectifs, d'être accompagné, c'est assez nouveau pour moi mais c'est ce que je suis venu chercher. Dans le sport en salle en fait, ce qui est cool c'est que t'as ce truc où t'es déjà dans un espace clos et tu dois remplir tes objectifs quoi. Et t'as la musique qui te pousse à mort. T'as aussi d'autres gens qui bossent à côté de toi et quelque part t'es obligé d'assurer en fait quand même. Salut Mad. C'est chic non? It's Versace. Sad. Les coiffés d'un chapeau. T'es une belle personne. C'est le téléphone de Mad ça? Parlant absolument.